Gloire à Dieu. Que l'Église dise Amen. Et avec le dernier Amen, Amen, vous allez donner votre témoignage. Amen. Amen. Regardez votre voisin pour lui, regardez votre voisin pour lui dire Amen. Et au dernier Amen, ce jour, ce dernier jour, regardez ce jour, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Nous sommes au sixième jour. Amen. Aujourd'hui, vous allez prendre et rentrer chez vous. Le salut, c'est à vous de le prendre et rentrer à la maison. La guérison, vous allez la prendre et rentrer chez vous. La délivrance, tout genre de miracle dont vous avez besoin aujourd'hui, le Seigneur déversera toutes ses bénédictions sur vous au nom de Jésus-Christ. Au dernier Amen, moi, je rendrai témoignage. Il faut le dire. Au dernier Amen, moi, je rendrai témoignage. Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Tu es un bon Dieu, un grand Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Et cet amour est toujours là ce jour, coulant vers la direction de tout le monde. Je prie, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne rate la manifestation de l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bénis tout le monde sans exception, les hommes, les femmes, les frères, les sœurs, les jeunes, les enfants, tout le monde ici, tout le monde partout. Bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. C'est accompli. Ainsi soit-il dans votre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Assoyez-vous. Nous avons commencé avec Daniel 1, 2, 3. Avez-vous remarqué dans tous ces chapitres, la puissance de Dieu n'échoue jamais, ne faillit jamais. Partout, dans tous ces chapitres, Dieu nous a montré combien il est grand, combien il est puissant. Un faiseur de miracles. Et il bénit tout le monde qui met sa confiance en lui, même un homme comme Nebuchadnezzar qui adorait les idoles, qui a érigé une grande idole, étant cruel en son temps. Lorsqu'il s'est tourné vers le Seigneur, il s'est repenti, la miséricorde est tombée sur lui, la miséricorde viendra sur vous. Le miracle de miséricorde, le salut par miséricorde, la justice, la rédemption par miséricorde, tout viendra sur vous ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au dernier chapitre de Daniel. Dernier chapitre de Daniel. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, un ange, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Ce sera une époque de détresse. Est-ce que cela vous surprend? Avant le déluge, un temps de détresse. Au temps de déluge, un temps de détresse. Est-ce que cela vous surprend? Lorsque Nimrod a bâti la tour de Babel, ils étaient tous dispersés, un temps de détresse, de Joseph, un temps de détresse. Regardez les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient dans un temps de détresse. Regardez-les comme ils traversent le désert, un temps de détresse, arrivé au pays de Canaan, avec la confédération des rois contre eux, c'était un temps de détresse. Et arrivé au Nouveau Testament, lorsque Jésus est arrivé, regardez la situation dans le pays, un temps de détresse. Et puis maintenant, il dit, comme nous sommes parvenus à la fin des âges, à la fin de la vie, avez-vous lu les journaux en ce temps-ci, il y a un temps de détresse? Est-ce que vous suivez les actualités à la radio, à la télé, un temps de détresse? Est-ce que vous voyez en profondeur ce qui se passe en Afrique, dans tous les pays ici?
il y a un temps de détresse. Est-ce que vous appréciez ce qui se passe à l'Occident, que ce soit en Russie, en Ukraine, que ce soit ce qui se passe dans tous les autres lieux de l'Occident, partout, le Nord, le Midi, l'Orient, l'Occident, c'est à un temps de détresse. La détresse est toujours là. Mais il y aura un temps du paroxysme de détresse. Mais Dieu merci, vous avez Christ, le prince de la paix. Et dans toute cette détresse, le Seigneur vous préservera. Il veillera sur vous. Il va détruire, il va éliminer toute détresse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Même cette nuit, y a-t-il des troubles là-bas? Le Seigneur va l'éliminer de votre vie. Même ce soir, ici, et là où vous vous trouvez en ligne, où que vous soyez, et qu'est-ce qui rend votre vie perplexe, qui vous dérange, qui vous harasse? Christ, qui éteint, qui détruit, qui calme la mer orageuse, viendra dans votre vie ce soir, et tous les orages, et toutes les détresses, et tout le traumatisme, et toutes les difficultés. Alors Christ va tout ôter. Et puis c'est dit que et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits, nos peuples, ta famille sera délivrée, nos amis seront sauvés, ta famille sera sauvée, tous ceux qui viennent au Seigneur seront sauvés. Celui qui dit je crois en Christ, je me cache en Christ, je me réfugie en Christ, je crois qu'il est venu afin que tous mes problèmes soient résolus, notre peuple sera sauvé cette nuit. Et ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il ne dit pas que dans un livre. Dans le livre, si on dit un livre, ça veut dire que tout le monde dans un livre ou dans l'autre livre. Mais le. Et tous ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre. Cela parle du livre de vie, de la vie, où Dieu écrit le nom de ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont le nom inscrit dans ce livre, la détresse passe par-dessus eux, la tribulation passe par-dessus eux, et toutes les choses qui essaient de vous enterrer tout vivant, ce soir, toutes ces choses passeront par-dessus vous. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. Comment quelqu'un, dans la poussière de la terre, comment peut-il dormir dans la poussière de la terre? Cela ne parle pas de notre sommeil ordinaire. Mais plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, qui sont-ils? Quelqu'un meurt. Et puis, on creuse un fossé. Et puis, on fait sortir l'argile, le sol. Et puis on étend là-bas le cercueil, et puis on couvre le cercueil, et puis la personne s'étend toujours là. Cela veut dire que ceux qui sont morts et qui sont ensevelis, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Cela parle du jour de la résurrection. C'est dit qu'ils entendront la voix du Fils de l'homme, et puis ils se réveilleront les uns pour la vie éternelle. Ceux qui sont écrits dans le livre de vie, ils vont se réveiller, ils vont ressusciter, ils iront pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Pour l'opprobre et pour la honte éternelle. De leur vivant, ils ne savaient pas le Seigneur. Leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Peut-être ils étaient religieux. Peut-être ils peuvent citer Psaume 23. Peut-être ils peuvent lire Matthieu 6, le Pater. Mais ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Et leur vie ne montrait pas qu'ils ont cru au Seigneur. Eux aussi vont ressusciter.
mais ils auront la résurrection des injustes, la résurrection des injustes. Verset 3 ici. Verset 3 dit, ceux qui auront été intelligents, vous serez intelligents ce soir, sages ce soir. Il y a deux types de personnes dans le monde, les sages et les insensés. Cela ne fait pas référence à la sagesse provenue des livres, la sagesse livresque, la sagesse qu'on détient de la philosophie du monde. On parle de Platon, Socrate et tous ces gens-là. Eux aussi n'étaient pas intelligents, n'étaient pas sages. Ouais, ils pourraient être sages selon ce monde. Ils pourraient être temporairement sages, mais ils n'étaient pas sages dans les choses de Dieu pour avoir la vie éternelle. Mais ils piétinaient, ils empruntaient la voie spacieuse qui mène à l'enfer. Mais ceux qui ont fait le choix sage d'embrasser le Seigneur, ceux qui auront été intelligents. Timothée, je rends grâce à Dieu pour toi parce que tu connais l'écriture qui peut te rendre sage à salut. C'est la sagesse dont il s'agit ici. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Je vais vous montrer comment la lumière resplendira dans votre vie. Je viens vous montrer comment vous détourner d'être insensé à devenir sage. Comment votre nom sera inscrit dans le livre de vie et que le ciel vous reconnaisse et tout problème dans votre vie sera ôté. Ce soir, je vous parle du thème devenir sage et resplendir comme des étoiles jusqu'à la fin et au-delà. Jusqu'à la fin, dès maintenant, jusqu'à la fin. Et comment on doit toujours rester sage et être des étoiles qui resplendissent, qui brillent jusqu'à la fin et après la fin. Après la fin, vous êtes allé à l'autre bord et avec cette sagesse du salut en vous et vous ressuscitez et vous menez la vie éternelle pour toujours. Je prie que en ce dernier jour de la retraite, décembre, et ce 27 décembre 2022, je prie que la sagesse céleste vienne dans votre vie. Nous allons voir trois points ici. Numéro 1, le temps de détresse avant la fin. Le temps de détresse avant la fin. C'est le verset 1. Verset 2, c'est le triomphant et les transgresseurs. Le triomphant et les transgresseurs à la fin. Parfois, ces deux gens-là vivent dans la même maison, un triomphant et l'autre un transgresseur. Parfois, et les deux vont à la même église, comme les vieilles sages et insensées, et elles ont appris parler de l'avènement du Seigneur. Parfois, les deux ont la même doctrine. Un est triomphant, l'autre est transgresseur. Mais vous voyez qu'est-ce qui leur arrive? À la fin, numéro 3, le trésor pour le transformer qui persévère. Il y a le trésor du salut, le trésor de la vie de Christ, le trésor de l'espérance qu'il attend lorsque Christ viendra, le trésor du transformé qui persévère jusqu'à la fin. Je prie que vous soyez un trésor devant le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Voyons le numéro 1 ici, numéro 1. Le temps de détresse avant la fin. Et faisons une simple interview. On vit dans ce village, des gens qui vivent ici ou bien des gens qui ont vécu ici. Depuis que ce village est reconnu, y a-t-il quelqu'un qui ait pu vivre sans problème avant leur fin? Ils disent non. On va à une autre ville. On dit, mais y a-t-il quelqu'un ici, dans cette ville, dans
cette cité qui ait pu vivre sans problème dans sa vie. Jusqu'à la fin, on dit, il n'y a personne. On dit que parce que c'est en Afrique. On va en Amérique, on va au Canada, on va en Europe, on va dans tous ces lieux. On dit, ici, nous voici ici, nous faisons un sondage, des recherches. Et y a-t-il quelqu'un qui ait pu vivre ici un moment donné? Y a-t-il quelqu'un dans votre génération qui ait vécu sans problème jusqu'à la fin de sa vie? Il dit, mais il n'y a personne. Tout le monde sur terre. Tout le monde qui ait pu vivre sur terre. Tout le monde qui a vécu sur terre a des problèmes, connaît des problèmes. Le monde est un temps, est un lieu de problèmes. Du commencement jusqu'à la fin de la vie, il y aura une détresse à grande envergure. C'est pourquoi nous parlons du temps de détresse avant la fin. Nous lisons en Daniel 12, verset 1, voyons Psaume 50, qui dit, invoque-moi, Psaume 50, invoque-moi, et au temps de détresse. Le monde est un environnement de détresse, aussi longtemps que Satan se trouve dans ce monde, aussi longtemps que les démons sont dans ce monde, il y aura de détresse. Mais le Seigneur dit en Psaume 50, 15, que tu ne dois pas être englouti par la détresse, tu ne dois pas se noyer dans la mer de détresse. Psaume 55, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Amen. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Peut-être il y a de détresse dans ta vie. Peut-être cela a commencé en une petite mesure. Et tu dis que je vais bricoler cela, et je vais tolérer cela, je vais vaincre cela. Et puis la chose va croissant, et puis partout tu te tournes maintenant, le problème est là, gauche à droite, devant toi, derrière toi. Et la nuit, tu crois que tu vas bien dormir, regarde le problème là-bas. Le jour, tu crois que non, ça c'est la lumière, c'est le jour aussi. Tout ce qui va me déranger, je vais le voir. Voici maintenant le problème partout. Tu ne peux pas voir des yeux physiques, mais tu sais que la détresse, le problème est là. Mais le Seigneur dit, mais cesse de regarder, viens au Seigneur ce jour, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. La rédemption est venue pour vous ce jour. La délivrance et le salut est venu pour vous ce jour. Ma question pour vous, ma question est que, pourquoi avons-nous des problème. Deuxième chronique 15, verset 3. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna ni loi. C'est-à-dire que pendant un long moment maintenant, Israël avait le Dieu d'alliance et l'alliance est le Dieu qui garde l'alliance. Mais il n'y a personne pour les enseigner. La Bible est là, ils ne vont pas lire cela. Ils lisent la Bible, ils ne comprenaient pas. Et ils vont comprendre, mais ils n'y obéissaient pas. Pendant longtemps, pensez à votre vie. C'est le problème que pendant longtemps, oui, on est sans le vrai Dieu. Il y a des dieux privés qu'on a quelque part là-bas, des dieux étrangers quelque part là-bas. On a quelques idoles quelque part, des dieux que le prince de ce monde a apportés. Mais nous sommes sans le vrai Dieu et sans sacrificateur, sans personne pour nous enseigner. Plusieurs ne reçoivent pas le véritable enseignement de la parole de Dieu. C'est ça qui doit ôter le problème. Et on dit, ni loi. On est là, on devient anarchique, on vit sans loi et on vit sans règles. C'est comme si nous sommes une loi pour nous-mêmes. Et tu ne peux pas être. C'est comme la loi de gravité qui est là. Tu dis que moi, je m'en fiche de la loi de gravité et que moi, je vais même avoir ma loi pour contredire celle de gravité. Tu ne peux pas faire cela. La loi de gravité, c'est pour nous donner la compréhension et la connaissance que quand on monte,
on doit être très prudent parce que la loi de gravité, elle est à l'œuvre. Dès que tu tombes de là, le problème, la maladie va commencer. Tu peux te casser les os et tu peux mourir. La loi de Dieu est la spirituellement parlant. Donc, mais les gens qui n'obéissent pas à la loi de Dieu, voilà ce que le verset 4 dit. Mais au sein de leur détresse, au sein de leur détresse, parce qu'on n'avait pas le guide, la loi pour nous diriger, on fait ce qu'on veut faire et on se retrouve dans le problème, ils se retrouvent dans le problème. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Verset 5. Dans ces temps-là, point de sécurité, problème là-bas, pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Verset 6. On se heurtait peuple contre peuple. Il y a des problèmes partout. Ville contre ville. Il y a des problèmes partout. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Parce qu'on a oublié Dieu, on a oublié la loi de Dieu. Les problèmes sont arrivés. Maintenant, le verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Les problèmes vont passer par-dessus vous ce jour. Comme vous venez au Seigneur, vous reconnaissez votre problème, vous reconnaissez que ce qui a causé le problème dans votre vie, dans votre famille, même dans notre nation, les problèmes qui sont là. Comme on se tourne vers le Seigneur, notre temps de problème prendra fin. Votre temps de problème, de détresse prendra fin au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 33, Ésaïe chapitre 33, 2. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Vous cela? Notre délivrance, notre sauveur. Oui, les problèmes sont là, la détresse est là, c'est partout dans le monde. Et c'est Daniel qu'on a lu, qu'il y aura un temps de détresse. Et maintenant, nous prions le Seigneur, nous disons, Seigneur, nous avons besoin de ton salut, de ton pardon, de ta miséricorde, pour que dans ce temps de détresse, que nous y survivions. Vous allez y survivre au nom de Jésus-Christ. Voyons. Et verset 24. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Les problèmes de maladie vont disparaître. Les problèmes de démonisation vont disparaître. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Pourquoi? Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. C'est ainsi que les problèmes disparaissent. Lorsque vous êtes dans le problème, et tu dis que parce que je n'ai pas obéi à Dieu, parce que tu n'as pas bien répondu à la parole de Dieu, tu dis, Dieu, je suis vraiment désolé, je ne vais plus aller à la mauvaise direction, pardonne-moi. Et Dieu est très miséricordieux, et il pardonne aussitôt. Et puis, voyons, le problème de maladie là, le traumatisme de démonisation, la confusion là qui veut détruire ta vie, que je te pardonne, j'enlève tes maladies. Aujourd'hui, cela va se produire. Marc 13, Marc chapitre 13, verset 8, voici les paroles de Jésus-Christ lui-même. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Christ a dit qu'arrivé à la fin de l'âge, qu'il y aura des pestes, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. Et on n'aura pas assez à manger, on a faim, et on a l'ulcère, et on jeûne de force. C'est parce qu'on ne veut pas, mais le petit enfant n'a rien à manger.
Est-ce que vous avez lu les actualités? Comment plusieurs meurent de malnutrition parce qu'il n'y a rien à manger. Même ce qu'ils mangent, je vois l'image des gens là qui vont au dépôt des ordures et les gens piquent des choses que les autres ont jetées là-bas avec les bactéries, avec toutes ces choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a rien à manger en temps. C'est un temps de famine et ce ne sera que le commencement des douleurs. Si le problème est là, même à la fin de l'âge maintenant, comment peut-on être affranchi? Comment peut-on être délivré de cela? Et le verset 10 nous dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il y aura le problème dans chaque nation, comme on tend vers la fin de l'âge, c'est l'évangile. L'évangile de la grâce, c'est l'évangile de la percée, c'est l'évangile du salut, c'est l'évangile de sa puissance, c'est l'évangile de l'émancipation, c'est l'évangile de l'amour de Dieu, et nous prêchons l'évangile et les gens se connectent à cette grâce et se connectent à l'opportunité. Voici ma chance, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, et nous sommes sauvés. Quoi qu'il y ait des troubles partout dans les nations, et comme nous donnons notre vie au Seigneur, et que nos noms sont écrits dans le livre de vie, le danger passera par-dessus vous. La mort prématurée passera par-dessus vous. Et les troubles de l'âge, la détresse de l'âge, les problèmes de notre temps, tout cela passera par-dessus votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, voyons, Jean 14, 1. Que votre corps ne se trouble point. Comment? Qu'est-ce que je dois faire? Le problème est là. Le problème est partout sur la terre. On lit cela. Il n'y a pas de jour dans les actualités qu'on ne trouve pas qu'il y a de problème ici et là. Tout le monde est perplexe. Tout le monde est troublé. Et Christ, et pourquoi tu as dit que nous ne permettions pas que notre cœur se trouble? Croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis, la fin de votre problème est venue. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le verset 27 ici dit, je vous laisse la paix. Tu appartiens à Christ. Tu crois en Christ. Les tempêtes sur la mer et la mer du monde mugit. Il y a des problèmes partout. Mais dit, vous me connaissez comme votre sauveur. Je te connais comme mon disciple croyant. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Tout a pris fin. Je dis, c'est la fin de tout. Mes problèmes sont partis. Mes problèmes sont ôtés. Je crois que vous allez répéter cela pour vous-même. Et toutes ces choses, le traumatisme, la tribulation, la détresse, tout cela est ôté pour toujours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Deuxième Thessaloniciens 1, verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Paul, dis-moi, que voudrais-tu dire? Jésus a dit, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et lorsque Christ, ton Sauveur, ton Rédempteur, te donne du repos, c'est la fin de tes problèmes. Ces défis du diable prennent fin. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Il dit, ils ont maintenant le repos. La vie de Saul était agitée. Il n'avait pas de paix pour le méchant, dit le Seigneur.
au cours du jour, de la journée, un homme très méchant, un homme dangereux, et il arrête tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. La nuit, il ne pouvait pas dormir. Tout ce qu'il a fait au cours de la journée, la méchanceté, la violence, la destruction qu'il occasionnait le jour, il n'avait pas de repos la nuit. Et il allait à Damas et en route, Jésus l'a raconté, l'a appelé « Saul, Saul, pourquoi regimbes-tu contre les aiguillons? C'est dur pour toi de faire cela. Tu ne dors pas la nuit, tu ne jouis pas de ta vie. » Tu as le problème, tu as le traumatisme, et cependant, tu ne connais pas la voie de t'arrêter. Et là, il a regardé en haut pour dire, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il dit, « Je suis Jésus. » Pas « J'étais, je suis Jésus. » C'est lui qu'on a tué. Il a été crucifié. Il dit que je suis toujours vivant. Je parle toujours. Il était enseveli, mais il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est à la droite du Père. Et il prie pour toi, il prie pour tout le monde. Et maintenant, il a vu cet homme agité, cet homme troublé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. Je veux changer. Je n'ai pas de repos. Je suis agité. J'ai des problèmes. Que dois-je faire? Va à Damas et te sera dit ce que tu dois faire. Et arriver là-bas. Il a prié le Dieu du ciel. Il a prié au nom de Jésus-Christ. Et il est devenu un frère, un croyant, un enfant de Dieu. Son nom est écrit dans le livre de vie. Et Ananias est venu lui dire, « Frère Saul, le repos est venu. » Et maintenant, durant sa vie, il y a la paix avec Dieu. Durant sa vie, il y a le repos. Durant sa vie, le salut est venu. L'assurance est venue. Et puis, il dit, que je sais que la couronne de justice m'est réservée au ciel. Le repos pour toujours. C'est pourquoi il a dit, es-tu toujours dans le problème? Alors tu es dans le judaïsme? Est-ce que, viens prendre le repos avec nous. Tu es encore idolâtre? Tu es dans le problème? Viens, j'ai trouvé le repos. Tous mes problèmes ont pris fin. Tout le traumatisme et les palpitations et la crainte de l'éternité, tout cela a pris fin, tout cela m'a fui, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Je vous invite ce soir à venir prendre le repos dans le Seigneur. Vos problèmes ont pris fin au nom de Jésus. La maladie a pris fin et les défis que vous avez et qui proviennent des pouvoirs maléfiques, les problèmes qui te tourmentent, qui te poussent par-ci, par-là, viens et prends le repos avec nous, et aie le repos de Jésus-Christ, et aie la paix du Seigneur. Et ton problème, ce soit par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, tu as pris fin au nom de Jésus-Christ. Je vais au deuxième point. Deuxième point maintenant, c'est le triomphant et les transgresseurs à la fin. Voyons ceci, on va à Daniel 12, 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Pourrais-je vous l'expliquer? Deux types de personnes. Lazare, regardez l'homme riche. Deux types de personnes. Lazare, il connaissait Dieu, le Dieu d'Abraham. Abraham de Dieu. Regardez l'homme riche. Lui, il connaissait le nom d'Abraham. Mais la grâce, la foi d'Abraham, il n'en avait pas. Et il était un juif. Et il a appelé Abraham père. Mais il n'avait pas la relation personnelle avec le Dieu d'Abraham. Dieu n'était pas son père. Et puis, le pauvre Lazare était mort. Il était enseveli. Il dormait dans la poussière de la terre. Et l'homme riche était mort, était enseveli. Ils dormaient dans la poussière de la terre. Mais le corps qui était enseveli,
Lazare, par l'âme, par l'esprit, le corps était enseveli. Dès que Lazare était mort, son esprit, son âme était porté par les anges au sein d'Abraham. C'est le corps qui dormait dans la poussière. Et puis l'homme riche était mort, il était enseveli, et c'est le corps qui est enseveli. Mais il a élevé ses, il a ouvert ses yeux dans le tourment d'enfer, il a regardé de l'autre côté, il a vu l'esprit, le corps de Lazare. Il a vu aussi l'esprit, le corps, l'esprit, l'âme d'Adam, d'Abraham. Ils étaient morts, ensevelis, mais il a vu l'esprit, l'âme, il dit que, Père Abraham, je veux que tu m'envoies Lazare. Lazare me connaissait, je le connaissais. Et qu'il mette le doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue. Abraham a dit, mais ce temps-là n'est plus. Mais son esprit, son âme était tourmenté. Le problème qu'il n'a pas connu sur terre, il connaissait cela et ce sera pour toujours. Et maintenant, ce Lazare, comme le voleur à la croix qui s'est repenti, et le Seigneur lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Le corps était toujours là à la croix, mais son âme était allée avec Christ au paradis. Et maintenant, au jour de la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Le corps dans la tombe, l'esprit à l'au-delà vont se joindre. Et l'homme entier, le corps, l'âme, l'esprit, alors iront à la vie éternelle au ciel ou à l'opprobre éternel. Et c'est à nous de faire le choix. Il y a deux types de personnes. Les gens qui croient en Christ, les gens qui croient au Seigneur, et leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Et puis finalement, lorsque le jour de la résurrection viendra, ils vont ressusciter à la vie éternelle, mais ceux qui demeurent dans leur nature dépravée et qui vivent dans le péché, sans se donner l'occasion de croire au Seigneur, ils vont périr et seront là pour toujours. Je prie aujourd'hui que toi là qui m'entends, que tu fasses le bon choix, que Jésus soit ton sauveur. Et au jour de la résurrection, que tu te réveilles, que tu ressuscites et que tu aies la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Jean 5, deux types de personnes, deux sortes de résurrection. Jean 5, verset 28. Jean 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien, tous ceux qui sont dans le sépulcre, ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Après la vie, après la justification, ou avoir la vie ici ou être à l'autre côté. Je prie que vous ayez la résurrection du juste au nom de Jésus-Christ. Acte 24. Acte chapitre 24, 16. Acte 24, 16. Acte 24, 16. C'est pourquoi Acte 24, 15. Ayant Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Une résurrection des justes, ceux qui sont justifiés par la foi en Christ, ceux qui ont dit que je suis coupable, je connais mes péchés, je suis pécheur, mais je te prends, je t'accepte, je te crois que tu es mon sauveur, il te justifie, tu deviendras juste. Mais les gens-là, disent que moi je n'ai pas besoin de salut, je suis bon. Je suis bon aussi, bon que je sois. Peut-être vous êtes bon, mais vous êtes bon pour la terre. Mais vous n'êtes pas assez bon pour le ciel. Tu es bon envers tes voisins, mais tes voisins ne voient pas ton imperfection. Tu n'es pas assez bon pour le ciel. Je vais bien. Oui, tu parais bien. Oui, à ta nature charnelle, mais que connais-tu? Même si tu vas à l'hôpital,
Oui. La radiographie peut montrer ce que tu ne peux pas voir. L'écho peut montrer ce que tu ne connais pas. Tu dis que je vais bien. Mais avant d'aller faire la radiographie de l'homme, tu me dis, mais pourquoi tu as attendu jusqu'à ce temps-ci? Mais tu es presque à la mort. Mais tu n'es pas en santé. Si tu n'es pas en santé devant la radiographie de l'homme, pourquoi dis-tu que tu es en santé? Tu vas bien devant Dieu. Si tu veux être en santé, si tu veux être en normal devant Dieu, viens devant le Seigneur. Tu dis, Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon substitut, je sais que tu es mort pour moi. Je ne peux pas justifier les choses que je fais. C'est toi seul qui peux me rendre juste. Ce jour, il va te rendre juste. Il va te pardonner. Il va changer ta vie. Il fera de toi une personne transformée au nom de Jésus-Christ. Et puis, il va écrire ton nom au ciel. Il va veiller sur toi ici sur terre. Il va veiller sur ton nom là-bas au ciel. Et lorsque tu auras quitté ce lieu, tu iras là-bas à l'autre côté au ciel. Tu iras là-bas. Où es-tu? Je dis, tu iras là-bas au ciel. La miséricorde de Dieu viendra à toi. La justification du Seigneur viendra à toi. Le salut du Seigneur viendra à toi. Je viens au troisième point maintenant. Troisième point. Nous allons voir le trésor pour le transformé qui persévère jusqu'à la fin. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, oui, le trésor pour les transformés qui persévèrent jusqu'à la fin. Dieu merci, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu ne quitteront pas ta vie. Daniel 12. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront, mais les insensés ne brillent pas. Regardez ceux qui vont à l'école. Oui, l'intelligent lit pour comprendre. Il lit pour retenir. C'est ceux qui ont la joie sur terre. Mais celui-là qui est insensé et il ne connaît rien, il ne sait pas qu'il doit lire pour comprendre, il doit retenir. Alors il sera déçu au jour du jugement, au jour de l'examen. Ouais, ceux qui sont sages, regardez, le mari, un sage, il sait comment rendre sa femme heureuse et bien satisfaite, satisfaisante. Mais l'homme insensé, il croit que lui, il croit que sa femme est locataire, qu'il ne va pas même prêter attention à la femme. Ils ne vont pas réussir. Mais ici, ceux qui ont la paix et la joie, l'accomplissement, la satisfaction, ceux qui ont la bonté même dans ce monde, eux sont les gens qui sont intelligents, qui sont sages. Et lorsque le jour vient de se préparer pour le ciel, eux sont les sages. Et c'est dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Les gens, un, ils sont sages, deux, eux-mêmes se détournent du péché pour se tourner vers le Sauveur, et ce qu'ils ont, ils le donnent aux autres, eux et tous les autres, vers la justice. Laisse-moi vous montrer les sages. Voyons, Proverbe, les sages, les intelligents. Proverbe 8, Proverbe 8, verset 33, Proverbe 8 et 33. Voici les sages. Écoute l'intrusion pour devenir sage. Ouais. Repens-toi et la sagesse, la miséricorde de Dieu t'attend. Écoutez-moi, et que suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes, ceux qui écoutent cette instruction, qui suivent Christ, parce que Christ va les amener au ciel. Et ceux qui disent que dois-je faire pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Ceux qui écoutent cela et qui disent que je crois maintenant, je crois tout au long de la vie, je crois à l'éternité, sont les gens qui sont sages. 34 maintenant dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Christ t'appelle. Écoute mon instruction. Je suis ici pour être ton sauveur. Je suis ici pour être ton rédempteur.
et tu écoutes l'instruction, là, tu es sage. Et dit, et il obtient la faveur de l'Éternel. 36. Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme. Celui qui dit que non, je ne veux pas le salut, je ne veux pas la réconciliation avec Dieu, je ne veux pas écouter les instructions, mais dit, mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est comme on vient au Seigneur et on dit, Seigneur, me voici, je me soumets à toi. Et puis, on devient sage, intelligent. Proverbe 23. Proverbe 23. Proverbe 23. Verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mon fils, tu sais ce qui est bon, le salut, la vie éternelle. Tu sais comment Dieu va prendre soin de toi ici sur terre. Et va prendre soin de toi à l'Éternel. Si tu écoutes cela, si tu prêtes attention, si tu donnes ta vie au Seigneur, mon cœur à moi sera dans la joie. Comment dois-je faire cela? Vois le verset 26. Verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est la chose la plus sage à faire. Mon fils, donne-moi ton cœur. Tu dis, je me soumets, je me donne à toi. Me voici et tu es sage maintenant. Tu es intelligent maintenant. Tu es sage, intelligent jusqu'à l'éternité. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les sages ont pris les lampes et ils ont de l'huile, l'huile de la grâce dans leur lampe. Les insensés, ils ont pris la lampe, leur lampe, mais pas d'huile, pas de grâce. Pas de foi, pas d'amour en Dieu. Et que nous tous, nous attendons l'avènement du Seigneur. Et au beau milieu de la nuit, ils ont entendu la voix que l'époux est arrivé. Et ils ont allumé, les sages ont allumé leur lampe. Et ils n'ont pas d'huile, l'amour de Dieu n'est pas en elles. Et le pardon du Seigneur, la bonté du Seigneur n'était pas dans leur vie. Ainsi, les essentiels sont allés vers les sages. Donnez-nous un peu de votre huile. On ne peut pas partager la grâce. La grâce que tu as, c'est pour toi. Le salut que tu as besoin de tout le salut. Tu as le salut que tu as, c'est pour toi. La grâce que tu as, c'est pour toi. On ne peut pas se partager le pardon. Et j'ai le pardon. Prends un peu de salut. Prends pas un peu de grâce. Tu n'auras rien. Le salut n'est pas transférable à une autre personne. L'huile de grâce, la foi, l'amour, la confiance en Dieu que tu as, c'est pour toi. Lorsque l'époux est arrivé, les sages sont entrés avec lui et les insensés sont allés chercher de l'huile. Vous savez, il y a de l'huile frelatée comme dans le moteur et cela fait bloquer. Ça bousille le moteur. Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as, donne-moi ça. Qu'est-ce que ça, ce qu'on appelle l'huile, c'est l'huile. Non. Donne-moi l'huile là. Et tu prends ça. Lui, la porte est fermée. Mais invoque le Seigneur quand il est proche. Invoque-le lorsque la porte est ouverte. Il peut entendre ta prière. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses péchés. Qu'il invoque le Seigneur ce jour, aujourd'hui, le jour de la grâce, le jour de son amour. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va t'affranchir complètement et puis ton nom sera dans le livre de vie au ciel. Après cela, les insensés sont venus et les gens sans grâce sont venus. Et les gens qui n'avaient pas de connexion
avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, 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 nous sommes ici, nous sommes ici. C'est trop tard. La porte est fermée. Mais aujourd'hui, la porte est encore ouverte pour toi. La porte est ouverte pour toi. La porte de la grâce est encore ouverte pour toi. Et le Seigneur va te pardonner ce jour. Il va te sauver ce jour. Tu seras sage ce jour. Et ceux qui étaient sages, ceux qui sont sages, intelligents, brilleront pour toujours comme des étoiles au ciel. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je dis, aujourd'hui, c'est ton jour. Où es-tu là-bas? Tête baissée, les yeux fermés. Tête baissée, les yeux fermés. Tu veux échapper à la détresse, aux orages, aux dangers du monde dans lequel nous vivons. Maintenant, tu peux lever ta main. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Le dernier jour, la porte est ouverte maintenant. Faut pas trop attendre jusqu'à ce que la porte soit fermée. Lève la main là et mets-toi debout. Comme tu te mets debout, tu dis au Seigneur, Seigneur, je suis ici. Je veux ta grâce. Je veux ton amour. Je veux ton pardon. Et je fais le sage choix maintenant. Je veux que ce salut qui provient de Christ me soit accordé. Comme tu lèves la main, prière te lever et tu dis au Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Lève la main là et puis tu te mets debout. Que le Seigneur vous bénisse là-bas, en ligne, à la télé, à la radio, où que vous soyez, quel que soit le pays où vous trouvez, et comme vous m'entendez maintenant, c'est le jour de la grâce. Je vais prier avec vous maintenant. Levez une main et mettez l'autre main sur votre, mettez l'autre main à votre poitrine. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour tout le monde debout maintenant. Pardonne-leur au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu les affranchisses. Et en ce jour de grâce, accorde-leur ta grâce, ton pardon, ton amour, ta miséricorde, et écris leur nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Confirme le Seigneur. Qu'ils soient sauvés, affranchis, pardonnés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que le Seigneur vous bénisse toujours debout. Les conseillers viendront prendre votre nom. Félicitations à vous. Sois le bienvenu. La porte du ciel est ouverte pour vous. Dieu merci, vous êtes entré maintenant. Sois le bienvenu au royaume de Dieu. Les conseillers vont prendre votre nom. Donnez toutes vos coordonnées aux conseillers parce que présentement et dorénavant, toute prière faite en votre faveur vous accompagnera à la maison. Cela ne ratera pas la cible. Comme les conseillers écrivent vos noms, vos noms seront écrits au ciel. Que c'est un privilège d'avoir votre nom dans le livre de vie. D'avoir votre nom dans le livre de Dieu. Le ciel vous connaît maintenant.
comme vous vous tenez debout, les anges célèbrent en votre faveur. Parce qu'il était ainsi, parce qu'il est ainsi écrit dans les Écritures. Les anges se réjouissent à cause de vous. Faut donner une adresse correcte. À partir de ce jour, toutes les nouvelles que vous aurez seront de bonnes nouvelles pour vous. C'est pourquoi donner votre adresse, une adresse correcte, exacte. Vous aurez de bonnes nouvelles, qu'il soit pour la joie de votre vie. Ceux qui sont en ligne, vous allez voir un lien là-bas. Cliquez sur le lien, vous verrez un formulaire. Remplissez le formulaire et soumettez-le. Votre bénédiction vous atteindra. Si vous êtes à la radio ou à la télé, envoyez vos ordonnées par le numéro de téléphone mentionné. Aujourd'hui, c'est la dernière soirée avec le dernier amen, dernier amen, dernier miracle, dernier amen, et cela mettra fin à toutes vos détresses. Dernier amen, la dernière solution à vos problèmes, la dernière solution à votre détresse ce soir. Au dernier amen, le miracle va atterrir sur votre âme. Dieu Seigneur, cette dernière soirée, avec le dernier amen, que cela apporte la solution finale à mes défis, à mes problèmes, à mes angoisses, à mes déceptions. C'est une décision glorieuse que vous avez prise ce jour, la décision qui initie la joie et la célébration du ciel.
le reste, commençons à parler au Seigneur parce que nous sommes à la dernière soirée avec le dernier Amen portant la solution finale. Ceux qui sont en ligne, vous avez le lien là-bas. Cliquez sur le lien et remplissez le formulaire qui se présente. Après quoi, soumettez-le. Cette soirée, c'est ma soirée. Que quelqu'un le dise, cette soirée, c'est ma soirée. La dernière soirée. Le dernier Amen. La dernière solution. Cela vous arrivera maintenant. C'est un miracle qui vous attend. Un miracle viendra sur moi. Le miracle me parviendra. L'heure sonne maintenant, prière, vous levez, la dernière soirée, le dernier Amen, la dernière solution. Gloire à Dieu! Mon heure sonne, votre heure de miracle, votre temps de guérison, votre heure de délivrance, votre heure de manifestation surnaturelle. Que l'Église dise Amen. Lorsque vous aurez entendu le dernier Amen, vous allez donner, vous donnerez votre témoignage. Je donnerai mon témoignage. Vous devez comprendre et croire ce que tu dis et ce qu'il a dit. Il a dit que tout le monde, que quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé, que le Seigneur les sauvera. Mais il dit que même en parlant que la réponse viendra. Et au dernier amen, je verrai le miracle dans ta vie. Où êtes-vous maintenant? Levez la main et posez l'autre main où vous avez le problème. Tout type de miracle aura lieu dans votre vie ce jour. Père, au nom de Jésus-Christ, Dieu de puissance, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de pardon et Dieu de miracle, je prie ce jour que tu touches tout le monde ce jour au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quel que soit le problème, ôte tout au nom de Jésus-Christ. Ces oreilles sourdes, ouvrez-vous au nom de Jésus-Christ. Ces langues muettes, déliez-vous au nom de Jésus-Christ. Ces yeux aveugles, recouvrez la vision maintenant au nom de Jésus-Christ. La main sèche, tendez-la et étendez-la et qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Que la jambe plus courte se rallonge et soit guérie au nom de Jésus. L'éléphantiasis, je prie que le Seigneur te touche maintenant et que le pied là d'éléphantiasis devienne normal au nom de Jésus-Christ. Toute forme de tumeur, l'hernie, le fibrome, la bosse, quel que soit le cas, quittez là-bas au nom de Jésus-Christ. Et tous ces pouvoirs démoniaques qui luttent contre votre vie, qui agissent contre votre vie, je commande que cet esprit, ce pouvoir maléfique avec la manifestation démoniaque sorte de là au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que toute maladie dans votre corps, toute infirmité dans votre corps, toute douleur que vous avez, que la touche divine vienne sur vous. Soyez en guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur, confirme le miracle. À ma gauche, à ma droite, au centre, très loin, partout ici, et ceux qui sont en ligne, ceux qui sont à la radio, à la télé, partout, où que vous soyez, je prie que la puissance du Seigneur vous atteigne là-bas maintenant. Levez-vous et marchez. Ouvrez les yeux et voyez. Et que la puissance créatrice de Dieu fasse le miracle créateur dans votre vie maintenant. Merci Seigneur. C'est accompli. C'est confirmé, Seigneur, en ce dernier amen, qu'il y ait des témoignages dans chaque bouche. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Ces yeux aveugles sont ouverts, examinez-vous. La jambe courte se rallonge, examinez-vous. La surdité est ôtée, examinez-vous. Et toutes les choses qui circulent dans votre corps, qui vous tourmentent, tout a été chassé. Vous avez maintenant la paix de Dieu en vous. La paix de Dieu intègre votre âme, votre esprit, examinez-le, examinez-vous. Lorsque vous aurez constaté que Dieu l'a fait, vous êtes assis dans le fauteuil roulant, n'allez pas continuer de vous asseoir là-bas. Alors, la puissance, la force maintenant, plutôt la force vous a été donnée maintenant. Levez-vous maintenant et marchez. Et comme vous voyez ce que Dieu a fait, vous allez sortir et donner votre témoignage. L'heure est au témoignage maintenant.